Hey les amis, c'est Letko, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Letko Play sur Devil Third sur Wii U. Donc on s'était resté sur la mission 5 avec Jane, donc Jane qu'on n'a pas tuée, qu'on lui a juste tranché entre guillemets les yeux pour qu'elle devienne aveugle, parce qu'apparemment il y a un pouvoir avec ses yeux, d'après ce que j'ai compris, en tout cas c'est ce que j'en déduis. Donc voilà, et tout de suite on va faire la mission 6 de ce Let's Go Plays. Donc je pense qu'on arrive doucement vers la fin. Alors on y va, histoire. Hop, continuer. Et je vous laisse l'intro. Jane said something about a prisoner in the island's industrial zone. According to US press sources, this lab was built for a physicist, Dr. Maida, who designed some sort of super armor alloy. Sending you his profile. The prisoner Jane mentioned must be Dr. Maida. D'accord. Il y a des petites similitudes à Metal Gear encore une fois, hein, mais bon, on est très très loin de Metal Gear sauf Phantom Pain, les gars, je vous le dis. Hein. En ce moment, je suis sûr, en même temps que ce Devil Sir, je peux vous dire qu'il y a un monde qui les sépare. Après, Devil Sir, il est plutôt fun à jouer, hein. Franchement, c'est fun, on se prend pas la tête. Donc voilà quoi, comme je disais, des Devil Sir, ils se laissent jouer, mais pas à 60 euros ou 50 euros. De toute façon, j'en ferai une review. Il y a un petit trophée peut-être. Du saké. Voilà, un petit trophée. Pas difficile à louper, hein. On peut voir une belle vue. Oh! Ah, ils ont des... Ça c'est du bien joué. Ça c'est encore plus du bien joué. Voilà, sauvegarde. Il n'y a rien à récupérer. Il faut monter. Pas mal la petite musique. Il faut être full la pression. Oula. Ça va peut-être vous paraître fou ce que je vais dire, mais le système de couverture de Devil Sword est mieux pensé que celui de Metal Gear 5. Hein. Je parle que du système de couverture, hein. Je parle pas du jeu, bien évidemment. On ne s'excite pas. Il fait le tour? Salut les... J'ai eu chaud. Allez, on récupère les munitions.
Ah, c'est le mec au lance-flammes. Meurs pas sans ta tête. Couteau, non, couteau, je m'en fous. J'ai un katana si tu me racontes avec ton couteau. Je vois pas. On va monter. On va aller à leur rencontre. Enfin, à sa rencontre. Grenade, je prends. Ça peut m'être utile. Est-ce qu'il reste des fumiers? Ça a l'air d'être calme, j'ai bien dit ça a l'air. Par contre, il se met pas à couvert et c'est bizarre. Ok. En fait, c'est que sur la plateforme rouge, j'ai l'impression qu'il se met. Il se met à couvert. Oh putain, le con! À couvert. Qu'est-ce qui s'est passé quoi? Faut que je les prenne à couvert. J'ai plus de munitions. On dirait le gun dans Gears. Voilà. Ah, j'ai le bazooka. Et là on peut pas monter là? Bah si, c'est ça qu'il fallait. Partez en éclair, d'accord. Ah, m'auront bien cassé les couilles ces chauves-souris, je vous le dis. J'ai le mode furie, mais... Je les ai tous tués. Non.
Je mettrai le mode furie quand j'en aurai vraiment besoin. Là pour l'instant j'en ai pas forcément besoin. Ok, donc c'est pas par là. Ok. Bon, les max, je suis max au niveau munitions. Trouver la sortie des fourneaux. Eh, moi je rigole pas, moi. Par contre, ça c'est quoi? C'est un. On dirait un snipe. Je vais là, je fais un petit tour, les gars, si ça vous dérange pas. Non, c'est pas là. Ok, je suis parti dans un endroit qui, où peut-être qu'il fallait, fallait pas aller. Ouais, j'aime bien le système de couverture. C'est automatique. Oh le con, il est pas mort. Ah, pas mal ça. J'ai eu chaud. Couvrez-moi les gars. Sauvegarde. Checkpoint. Oh le con. Aïe 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 aïe. Oh, ouais. Non, non, je suis à la tête baissée, j'aurais peut-être pas dû. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, je vais un peu tête baissée, j'aurais peut-être de. Oh putain. Ouais, on rigole pas. Petit cadeau de la maison. Mal visé, hein. Le con. Mon petit dar. Attends, 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 mon petit dar. Attends, 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 attends. En retraite, on bat en retraite. Ah, les mecs, si vous me couvrez pas, ça va pas le faire, hein.
C'est un peu chaud, hein. Ça me cassait les couilles. Hein. Enfin. Venez les mecs. Munitions. Ah. Oh le con. Oh le con. Putain, je vise comme une merde. Ah c'est lui depuis tout à l'heure qui nous lance des grenades. Il est mort. Pas beaucoup de munitions. C'est bon, là je suis max. Par ici. Oh le con. Ouais, sulfateuse. Retraite. Putain, où est-ce qu'on se met à couvert ici? Prendre le snipe. Je garde avec le bazooka.
Mais bon. Ou pas. Normalement, il y a la visée automatique. Là, je peux pas passer, hein. Impossible de passer là. Vas-y, je prends le. C'est bon, on va passer. Oula. Où il est l'hélico? Il bouge trop vite. Oh, wow, il nous a tué la gueule. À couvert. N'importe quoi. Peut-être qu'il veut peut-être que je traverse le pont et me cacher là-bas. Oh le salopard. Putain, mais il meurt jamais ou quoi? Voilà. 4. Il en fallait 4. Pour le tuer. Ah, eux aussi, ils avaient des. Ouais. Mitrailleuses. Ils s'arrêtent pas, les mecs, hein. Donc il me laisse tout seul. Ok. Ils sont cons les mecs. Trophée, ça fait plaisir. Moi je comprends pas ce qu'on puisse pas rentrer par là. Là rien non plus. Oula, il y a plein d'armes là. Peut-être que je vais changer d'arme, ouais.
Je vais peut-être prendre le... Non, pas ça. Oh, peut-être que... Ah, peut-être que si. Où il y a le pompe. Non, je vais prendre le AK-47. Voilà. Au cas où. Bon, le con. Oh, ouais, mais c'est chaud là. C'est chaud. C'est par là, qu'est-ce que je fais moi? Ah. Il y avait un trophée, je l'ai même pas vu, il était accroché là. Peut-être prendre ça finalement. La grosse sulfateuse. Faut pas, faut que je reste à couvert. Par contre, ça met beaucoup de temps à recharger ça. Mais en fait, il y a beaucoup de balles, hein. Oh putain, j'ai pris l'habitude de nous. Oh putain, c'est quoi ça? Oh putain, c'est quoi cette merde? Attention. Hop là. Putain, je lui mets des... Des munitions. Oh, j'ai eu chaud. J'ai eu très très chaud. Heureusement qu'il y avait la caisse à munitions. On dirait la fin du jeu. Ne commencez pas à me péter la tête, les gars.
Oh, je vais garder la sulfateuse, ça peut être sympa. La tour de refroidissement, eh ben, il y a de la lave. Eh, il me touche, les gars. Je crois qu'Ivan, c'est pas le moment de... J'étais là, connard. OK. Ils ont sorti les gros moyens là. Ça a l'air d'être télécommandé. Elle a pas tiré le mec. Après, je peux courir et j'essaye ou pas? Un, deux, trois. Tu l'as mérité, celle-là. C'est faire tout le sale boulot, hein. Oula, un gros ralentissement. Y a rien qui est accroché. J'ai bien trouvé les trophées, moi. Là, y a quoi? Ah, bah voilà. Ah bah y a un petit magazine nature, je sais pas quoi. Y a rien en dessous de l'escalier. Non. Peut-être pas monter ici. Par là peut-être. Cigarette qui fume. Ah, déjà 36 minutes hein, quand même hein, pour cette mission. Hein.
Eh ben, sympa le petit effet bullet time, mais bon. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, par là, d'accord. Donc il a rien entendu. Le mec, on tire depuis tout à l'heure. Ouais. Not all of us. No matter. You gotta shoot me now? No, not yet anyway. Give me the answers I want and I'll see you get off this rock. Well, that's cause for celebration. Join me? C'est la guerre derrière et lui boit du saké. What the hell happened here? War started when rhenium was discovered on this island. Hardest metal on earth. Extremely heat resisted. But also very valuable. I made it more valuable. My alloy, Rhenium X, is now essential for all military applications. Then suddenly, the US, Russia, and Japan decide to play nice and put together the so-called Special Economic Zone. What's the sword got to do with all this? I'd still blame Washington and Moscow for tearing apart the Soviet Union. So the spiteful bastards grabbed the mines just to keep the uranium out of their enemies' hands. How did they get a foothold on Brat? They came into port claiming to be a private security firm called Zenit. That might have used some old Soviet collections. Cause they took over an abandoned Soviet base on the far side of the island. That's all you have? The targets here are networked in. Maybe you can find something. What about power? I can. With that. No talking. Thank you kindly. Carrément, dans sa chambre, c'était lui qui avait le tableau électrique pour tout allumer, n'importe quoi. Ah, c'est pas le Japon. On dirait on aurait le mont Fuji. Donc peut-être cette mission se terminera sans combat de boss, apparemment. Ok. Bah si ça termine là-dessus, je vous dis au revoir tout de suite. Ou sinon, je vous reprends tout de suite là derrière. This is the Zenit security compound Maida was talking about. We've confirmed.